Premier panel d'aujourd'hui parlera sur l'impact de la blockchain sur les sociétés traditionnelles. Donc, j'invite quatre orateurs, Claire Balva, Philippe Davost, Arnaud Leven et Vincent Philippe, à venir nous rejoindre. Je vais vous présenter très rapidement. Donc, Claire, vous êtes la cofondatrice de la Blockchain France, donc le centre d'apprentissage sur l'impact de la technologie blockchain en France. Surtout, Philippe, vous êtes le directeur député de la Caisse des dépôts qui se concentre sur l'économie numérique. Arnaud, vous êtes le chef de la Blockchain Lab qui réunit des développeurs pour développer des applications dans la santé pour la blockchain, et vous travaillez à Microsoft où vous regardez la technologie des finances et la technologie décentralisée ainsi que la blockchain. Donc j'aimerais commencer ce panel avec un peu d'histoire, parce que nous savons que la blockchain est arrivée à travers les bitcoins et les applications pour l'économie. Donc pour vous, Philippe et Vincent, j'aimerais que vous me donniez votre perspective, vos opinions. Et on va commencer par vous, Philippe. Donc récemment, vous avez rassemblé à la Caisse des dépôts un large groupe de banques et de compagnies d'assurance pour réfléchir sur l'impact de la technologie de blockchain sur leur industrie. Pourriez-vous nous donner les opinions sur cette initiative et comment la blockchain est utilisée par ces industries? Donc, merci Benjamin. J'aimerais commencer par une condition. Combien d'entre vous dans cette pièce, ce n'est pas une question normale, combien utilisez-vous des bitcoins, parce que ça c'est autre chose pour une autre conférence. Ma question serait, combien de personnes dans cette pièce ont entendu parler ou ont lu quelque chose sur un livre sur Professeur Yuval Noah Harari qui s'appelle Sapiens? Donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, vous devrez peut-être le faire, et les autres vont comprendre ce dont je parle. Quand je préparais ce panel, c'était pendant un événement, un financement initié par le DAO. Donc, certains d'entre nous ont commencé à réfléchir à ce sujet. Qu'est-ce qu'ils vont faire de l'argent? C'est entre 15 et 20% qu'ils vont obtenir, qui vont leur rester. Donc, pour moi, le DAO est encore en train d'être défini. Et le lien avec le livre, donc la société elle-même, comme le DAO, est une fiction. C'est très bien expliqué dans le livre, ces fictions collectives que tout le monde respecte sans vraiment les comprendre, sont des fictions qui n'ont aucune réalité. La société n'a pas de réalité physique, cette entreprise. Les entreprises existent et ont un rôle dans l'économie. On ne sait pas si elles sont bonnes ou mauvaises. Ce qui rend cette fiction intéressante est que, selon le livre, elle permet à beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas forcément à coopérer ensemble de manière efficace. Donc, aller au-delà du groupe normal d'une dizaine de personnes, ou la tribu de 150 personnes que vous pouvez gérer et connaître par leur prénom. Mais quand il faut une échelle plus large et commencer une entreprise avec beaucoup d'individus, vous avez besoin des fictions. Donc pour moi, l'entreprise et le DAO sont deux parties de la même histoire. Parce que nous allons comprendre comment nous pouvons coopérer à large échelle de manière plus efficace. Donc, quand nous avons eu à faire face à ces bitcoins, ces monnaies virtuelles qui sont sorties de nulle part, qui n'ont pas eu d'autorisation de quiconque, elles sont apparues.
et ce sont des systèmes qui fonctionnent encore aujourd'hui. Donc nous sommes rendus compte que nous ne sommes pas une entreprise, nous sommes une institution depuis, ça fait 200 ans, cette année d'ailleurs. Donc nous nous sommes rendus compte qu'en essayant de le voir comme un concept ne marcherait pas. Les Français, nous aimons les concepts, nous aimons réduire des choses en concepts, mais ça ne marche pas avec la blockchain. La blockchain, on ne peut pas la réduire en concept. Donc si nous ne pouvons pas simplement lire des rapports et lire ce qui est publié, j'espère qu'il n'y a pas de journalistes dans la pièce, mais ce que la presse en écrit, normalement 80% est faux. Je suis désolée, mais nous essayons d'explorer la blockchain. C'est une technologie de transaction, donc nous nous sommes rendus compte que nous ne pourrons pas le faire seuls. Donc nous avons averti quelques entreprises dans notre écosystème. C'est pour ça que les banques et les compagnies d'assurance ont répondu en premier. Et nous leur demandons ce qu'ils en pensent. Ils disent tous la même chose, que nous voulons évaluer cette idée. Et par exemple, si AXA prenait le relais et commençait à évaluer, les autres diraient qu'il faudrait un emploi du temps, qu'il faudrait un programme. Donc nous sommes une institution neutre, nous sommes séparés depuis nos débuts du gouvernement. Donc nous répondons aux attentes directement des citoyens français pour le bien de tout le monde, mais sans un objectif caché. Donc nous évaluons la blockchain ensemble. Ensuite, Vincent, peut-être pourriez-vous nous donner votre opinion sur les applications financières sur la blockchain et ce que vous travaillez à Microsoft. Donc, la blockchain est un consensus de confiance. N'importe qui peut échanger ce qu'ils veulent. Donc, logiquement, tous les services financiers, les institutions financières pourraient profiter de cette institution, devraient au moins regarder ce système et voir ce qu'ils peuvent en faire. Donc, ce que nous voyons maintenant, ce sont des petits examens de part et d'autre où les banques ou des compagnies d'assurance essayent de résoudre un problème qu'ils ne pouvaient pas résoudre avant. Par exemple, financer et partager de petites entreprises. Il y a beaucoup de tests, d'expériences. Il y a beaucoup... Il y a beaucoup plus de blockchain de partage où les personnes peuvent partager de l'information, des produits financiers également. Donc, cela change la manière dont nous travaillons avec les institutions financières et les banques et finalement, nous pourrons réduire les coûts, espérons. Arnaud, je me tourne vers vous. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'en pense Philips sur les applications sur la santé de la blockchain? Donc, je pense que, contrairement aux institutions financières, nous n'avons pas commencé avec une question. Il y a une blockchain, il y a les bitcoins, ce sera perturbant pour nous, pour notre industrie. Notre voyage a commencé de manière très différente. Chez Philips, je ne sais pas combien de personnes le savent, mais nous sommes une des entreprises de santé technologiques les plus grandes du monde. Nous vendons beaucoup, beaucoup de matériel, de produits de santé, et nous nous transformons plutôt vers une entreprise sur les services également. Donc nous regardons la santé de manière plus réaliste, avoir une vie saine et être à l'hôpital et puis pouvoir partir de l'hôpital et qu'on prenne soin de vous. Donc, il y a beaucoup de personnes avec des maladies et la population vieillissante, c'est donc très important de pouvoir rendre service à ces personnes chez eux. Et les données sont très importantes dans cette direction. Donc, nous pouvons récolter ces données dans une base de données centrale et développer les services par rapport à ces données. C'est ce que nous essayons de faire, mais c'est très limité.
Nous ne pouvons pas tout faire. Nous avons essayé de regarder les données d'une manière décentralisée. Pouvons-nous regarder les données de manière individuelle? Pouvons-nous responsabiliser les patients et les individus à contrôler leurs propres données? Et de cette manière, ouvrir à un plus large groupe de données collectives sur lesquelles nous pouvons construire et développer des services. Claire, j'aimerais maintenant que vous réagissiez un peu et nous donner un aperçu d'autres industries. Je sais que vous évaluez l'impact de blockchain en France. Donc oui, bien sûr, nous avons beaucoup parlé de marchés financiers et la santé, bien sûr, mais en fait, la blockchain a un beaucoup plus large impact que ces industries seulement. À Blockchain France, nous regardons intimement la chaîne de provision, tous les secteurs peuvent être affectés par la blockchain. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont les entreprises essayent de tester et d'évaluer, leur adapter ce concept. Donc je pense, oui, la chaîne de provision peut être largement affectée par la blockchain. Comme nous savons, la blockchain est un grand livre, c'est un registre distribué. Donc nous pouvons certifier des documents, certifier des données sur la blockchain. Il y a une startup qui s'appelle Evo Ledger qui essaye déjà de mettre en place un registre sur la blockchain pour les diamants, un incubateur. Ils utilisent l'incubateur d'Alliance française. Nous avons également une startup à Londres qui s'appelle IntraEth, qui est en train d'automatiser les vols. Donc, par exemple, si vous avez les formulaires. Donc, si vous avez un vol de retard, vous envoyez un formulaire à votre compagnie d'assurance et ensuite ils vous remboursent. Mais ce processus pourrait être automatisé avec la blockchain. Et c'est ce qu'ils essayent de faire à Londres. Je pense que c'est très intéressant. Merci Claire pour ces exemples. Je pense que ça nous éclaire un peu. Pourriez-vous peut-être nous donner une application spécifique pour les startups que vous pensez qui est assez pertinent pour aujourd'hui? Donc celui qui est facile à dire, c'est SlowKit. C'est un très bon exemple de la manière de résoudre des problématiques. Donc pour SlowKit, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas? SlowKit est un start-up créé en Allemagne et je pense qu'il fournit des clés, pour que vous puissiez sécuriser vos objets et que vous pouvez gérer avec votre portable. Donc, vous pouvez donner accès à votre appartement à quelqu'un entre 9h du matin et 10h le lendemain sans avoir à être là. Donc, ça change beaucoup pour Airbnb, etc., pour toute l'économie collaborative d'ailleurs. Donc, Arnaud, avez-vous un autre exemple? Oui, je pense que une des premières choses auxquelles les personnes pensent quand nous pensons aux données de santé, à la blockchain, c'est une question que nous avons toujours. Donc, vous allez mettre nos informations médicales sur la blockchain. Non. Vous n'aurez pas vos informations médicales sur la blockchain, mais un accès aux informations médicales, quelque chose que nous pourrons voir sur la blockchain. L'identité, c'est quelque chose que vous pourrez également mettre sur la blockchain. Et pour les milliards de personnes qui n'ont pas d'identité, dans les marchés émergents qui n'ont pas cette possibilité d'avoir des informations médicales. Donc, ce sont des applications qui nous intéressent beaucoup. Il y a beaucoup d'exemples d'applications blockchain très intéressantes car la technologie est naissante. Donc, il y a beaucoup de choses à développer. C'est beaucoup de théorie également, et les aspects juridiques, c'est une chose que nous regardons très sérieusement parce que comme vous pouvez l'imaginer, dans un environnement très régularisé comme les finances
et la santé également, les régulateurs ne savent pas vraiment quoi en faire de cette chose, la blockchain et les données décentralisées. Donc, c'est un puzzle très important à rassembler, à résoudre. Donc, dans 5 ans, je pense que vous allez vous moquer des applications qui datent aujourd'hui. Mais c'est comme ça qu'il faut procéder. Et Philippe, quelque chose, un startup qui vous intéressait? Je vais sûrement choisir un de nos partenaires actuels dans notre initiative. D'ailleurs, j'ai un scoop pour vous. Au lieu de dire l'initiative blockchain initiée par la Caisse de dépôt avec 17 partenaires, qui est assez long et trop centré sur la Caisse de dépôt, nous ne contrôlons rien. Nous avons un nom et le nom de notre consortium sera LabChain, L-A-B-T-C-H-I-N. Dans les partenaires que je trouve intéressants pour le registre de cette conférence, le registre développe des porte-monnaies de matériel. Quand nous parlons de la blockchain, elle est difficile de séparer de la circulation d'avoir qui nous permet de vérifier les transactions. Donc, les avoirs sont Bitcoin et Ether qui sont les plus connus. Mais quand vous faites une transaction avec les Bitcoins, vous êtes votre porte-monnaie. Vous êtes votre porte-monnaie. Donc, si vous perdez, vous pouvez perdre accès à votre argent en perdant la confidentialité. Vous avez peut-être entendu parler des personnes qui avaient trouvé un ordinateur qui comprenait des millions de bitcoins dessus. Donc, ce que Ledger fait, c'est un mélange de la cryptographie et de la sécurité pour s'assurer que vous pouvez toujours retrouver vos bitcoins. Un autre startup qui me semble intéressant est Provenance. Il donne une plateforme pour les producteurs et fournisseurs de produits pour pouvoir enregistrer le travail qui est nécessaire pour ce produit, pour assurer que c'était fait de manière éthique et locale, etc. Donc, c'est quelque chose de très important sur la blockchain également, pour certifier les produits. Une autre question que j'ai partagée avec vous, j'ai le sentiment que dans l'écosystème de la blockchain, il y a des objectifs, des philosophies différents. Donc, ma question serait le changement de pouvoir, la transformation que nous allons voir avec la blockchain. Est-ce que nous allons Est-ce que les DAO vont compléter cette transformation? Est-ce qu'ils vont contribuer à des projets sur les réseaux ou est-ce que la blockchain va utiliser des logiciels pour avoir plus d'efficacité au sein des entreprises? Donc, le F3 Project, par exemple, je n'ai pas tous les détails techniques, mais c'est des transactions sur la blockchain pour des institutions financières. Est-ce que nous allons voir des intermédiaires encore plus robustes qu'avant de la manière où Internet a tout décentralisé, mais avec des plateformes comme Google ou Facebook, etc., qui ont tout le pouvoir? Est-ce que nous allons voir ce genre de changement? Je ne sais que vous ne pouvez pas prédire l'avenir, mais qu'est-ce que vous en pensez? Si je peux me permettre, de mon point de vue, étant donné l'âge de la technologie, il y aura plusieurs étapes. Il y a des applications qui sont assez faciles à mettre en place, des applications comme les transferts d'argent, des registres, des contrats intelligents, par exemple. Mais ces applications vont aider les entreprises à donner de la vitesse à leurs procédures de manière interne. Mais des applications comme les organisations autonomes décentralisées mettront plus de temps à mettre en place.
car cela implique que les personnes s'adaptent également. Il est très difficile d'évoluer et de passer d'une organisation très hiérarchique à quelque chose de décentralisé. Donc c'est pour cela qu'il faudrait assez longtemps. Et ensuite, pour répondre à la question des intermédiaires, je ne pense pas que la blockchain va annuler ou enlever les intermédiaires. Elle va simplement redéfinir les rôles. Les notaires, par exemple, ne vont pas disparaître, mais auront un rôle de conseil, plutôt. Voilà, c'est mon opinion. Merci, Claire, qui aimerait réagir également. Vous avez raison, Claire. C'est difficile à voir. Je suis convaincue que la blockchain, comme l'électricité, une fois que nous l'aurons découvert, nous allons nous en servir et ça va changer la manière dont nous communiquons avec les autres à long terme. Et dans 20 ou une dizaine d'années, c'est difficile de dire, mais toutes les industries seront affectées. Mais d'une manière plus philosophique, est-ce que nous aurons besoin d'une organisation large à formuler des équipes pour construire quelque chose comme un avion demain, ou est-ce que tous les employés seront plutôt à temps partiel et travailleront selon leurs besoins? Il faudra du temps, mais je pense que ça va être un changement qui va affecter tout le monde. Je suis sûre qu'il y aura des changements avec les intermédiaires. Avec toutes les nouvelles technologies, il y aura de nouveaux intermédiaires. Et le paysage va beaucoup changer, mais ce sera plus lent que nous pensons pour adopter la cloud, donc l'informatique dématérialisée. Nous avons mis beaucoup de temps. Donc, il faut savoir comment les gens réagissent. Je travaillais dans les médias auparavant, quand Internet était tout neuf, et ils avaient dit que les médias va beaucoup changer, mais il a fallu beaucoup de temps pour que les entreprises soient plus petites. J'ai beaucoup d'espoir pour la plupart des entreprises. Philippe, vous êtes dans l'économie numérique depuis très longtemps. Vous êtes un des cofondateurs de Wanadoo, qui est un des fournisseurs de services Internet les plus anciens. Donc, qu'en pensez-vous? Je défie n'importe qui pense savoir ce qui se passera à nous le dire. Nous ne pouvons pas le savoir. Nous avons perdu les capacités à prédire ce qui se passera. Je me souviens très bien quand nous avions commencé Wanadoo en 1995. Il a fallu 4 ans pour avoir un million de personnes souscrites. Ensuite, donc les prédire est devenu très difficile d'un point de vue technologique. Ensuite, il y a un autre côté qui implique la société. J'aimerais rappeler à tous les fans d'Uber, les entreprises fournissent toujours beaucoup de vos emplois. Donc, ça ne va pas disparaître d'un coup, parce que vous n'aurez peut-être pas d'emploi plutôt que vous ne l'aurez pensé. Et pour le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, je pense que ces technologies sont développées pour permettre à des personnes qui ne se connaissent pas à pouvoir coopérer de manière efficace, sans se poser la question de pourquoi nous coopérons et dans quel but. Donc, je suis sûre que beaucoup de procédures que nous utilisons aujourd'hui peuvent être renforcées et automatisées pour pouvoir éviter que des personnes fassent ces tâches elles-mêmes. Ça ne va pas faire disparaître les institutions, ni les entreprises, ni des secteurs
tout de suite parce qu'il faudra du temps que les personnes s'habituent, qu'ils puissent faire confiance à cette nouvelle technologie, que les personnes puissent s'adapter et utiliser leur temps libre maintenant, de ne pas faire ces tâches répétitives et plutôt penser à des manières de servir leurs entreprises différemment. Donc, une citation que j'utilise toujours pour l'avenir vient de Saint-Exupéry. Je le dirai en français et pour ceux qui ne comprennent pas pourront me demander plus tard. Saint-Exupéry a écrit Citadelle, son dernier livre. L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. C'est ce dont nous faisons face. Il s'agit d'une autorisation, tout simplement. Donc, je suis déçu parce que vous n'avez pas parlé de tout faire avec la blockchain et de ne pas avoir à travailler plus tard. Une question pratique. Comment est-ce que vous travaillez sur les thématiques si complexes dans une entreprise traditionnelle? Est-ce que vous l'utilisez comme un projet IT ou est-ce que vous avez un département spécifique ou est-ce qu'il faut rassembler l'innovation, la technologie de l'info, etc. Ou est-ce qu'il faudrait que ce soit très transparent et que vous parliez avec des personnes qui viennent de tous les domaines? C'est une thématique très complexe, donc comment est-ce que vous procédez? Donc nous avons commencé en étant deux hommes. Nous avons juste commencé comme ça à deux. Nous avons étudié la blockchain. C'est ce que j'encourage tout le monde de faire. Les cinq première fois que vous pensez avoir comprendre, que vous pensez avoir compris, ce n'est pas le cas. Donc, il faut continuer et essayer. Mais une fois que nous pensons vraiment avoir compris, nous avons présenté cela à nos cadres chez Philips. C'était tout de suite après l'article de The Economist au Forum mondial économique à Davos, où tout le monde parlait de la blockchain, justement, qu'ils avaient dit nous pourrons financer ces deux et donnons-leur un laboratoire de la blockchain. Et ce que nous essayons de faire, c'est temporaire. Mais ça ne va pas exister pendant plus d'un an. Ce que nous voulons essayer de savoir, c'est quelles sont les conséquences ou le cadre économique, structurel, etc. de la blockchain. Et ensuite, nous pourrons aller plus loin. C'est de cette manière que nous voyons la blockchain évoluer. C'est le rôle de la blockchain dans nos services de données chez Philips. Et nous le faisons. Ça semble théorique comme un cadre, mais nous construisons quelque chose. Nous construisons des applications. Nous le faisons tous les jours. Nous essayons de comprendre. Comment est-ce que nous pourrons développer la technologie avec enthousiasme? Et ils sont vite enthousiastes parce que la blockchain pourrait résoudre pas mal de problèmes, la paix dans le monde, par exemple. Et puis, il faut poser les bonnes questions. Et nous sommes une entreprise très grande avec beaucoup de personnes intelligentes qui commencent à comprendre, qui comprennent mieux que moi, d'ailleurs, et qui voient ce que cela pourrait impliquer pour notre commerce. Donc, c'est temporaire, et ensuite, nous prendrons une décision des étapes à prendre. Philippe, quel est votre point de vue? Comment vous pensez qu'on peut intégrer ces stratégies? Brièvement, je pense que si je reprends ce que vous venez de dire, je remplacerai par 5 ou par 10, parce que je pense que nous n'avons rien compris de ce qui est en train de se jouer actuellement.
Je remplacerai cette conversation entre deux personnes par une conversation entre un homme et une femme qui n'est d'ailleurs pas encore arrivée. C'est une réponse courte, mais pour en arriver à ce que ça apporte à la multinationale, c'est un effet international d'envergure. Comme vous l'avez dit, ce sont des initiatives temporaires, ouvertes avec d'autres, en partenariat avec d'autres, pour que la prise des décisions soit faite en fonction de ce qui a été appris et lu. Ce qui est intéressant, c'est de rassembler des gens qui proviennent de processus similaires depuis 15 ans et de voir comment ils pourraient changer ou améliorer en utilisant une plateforme différente. Il y a également des avocats. Et ce qui est incroyable, c'est que cela arrive toujours du bas vers le haut, dans un mouvement vertical. La première question, c'est toujours, ce n'est jamais qu'est-ce que c'est que la blockchain, mais comment est-ce que je peux y participer? Ça permet deux choses, d'améliorer le niveau d'énergie dans un niveau institutionnel, et ça, je trouve ça relativement fascinant comme effet, comme phénomène. Et cela apporte énormément d'enthousiasme parce que la Caisse des dépôts, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une réaction telle de sa part. Donc, effectivement, tout le monde est étonné d'une telle proposition. Et ensuite, cela nous permet d'identifier, d'activer, d'encourager des talents, et ce qui n'avait pas été possible jusque-là parce qu'ils étaient coincés dans un rôle, dans un titre qui ne couvrait pas l'entièreté de leur potentiel et de leur talent. Et ça, ça a été vu il y a quelques jours. Nous étions par exemple 80 partenaires réunis et l'énergie à la fin du deuxième jour était absolument fabuleuse. Donc je pense que ça a un véritable impact sur la manière que nous avons d'essayer. Mais je voudrais le résumer en un mot, c'est la permission. Il faut s'autoriser. Une fois qu'on s'autorise à essayer des choses avec d'autres, eh bien, on avance plus vite. On avance de manière plus simple. Il y a une nouvelle énergie que l'on n'attendait pas qui se crée, une émulsion qui fait que les progressions sont fulgurantes. Bon, alors, Microsoft, c'est une compagnie de technologie. Et ça a commencé, je sais qu'il y a un an et demi, il y a eu un nouveau service financier qui a été créé aux États-Unis qui a compris la valeur de cela et a essayé d'implanter des partenariats avec des blockchains de manière à ce que toutes ces informations, toutes ces initiatives soient libres d'accès pour tout le monde, pour que tout le monde puisse y éprouver, les essayer, essayer de comprendre un peu plus profondément comment cela fonctionne. Et ça a commencé de cette façon-là. Il y a eu beaucoup, ça a été couvert par la presse. Et maintenant, cette personne-là est responsable de toute la question stratégique. Et je ne voudrais pas trop en dire, mais nous essayons de nous assurer que chacun d'entre nous puisse retirer des bénéfices de ce type de technologie. Donc nous ne choisissons pas un type de blockchain. Nous vous invitons à utiliser celle qui vous convainc le mieux. Par contre, il est tout à fait possible de communiquer entre différentes blockchains et de rediriger ça en infrastructure pour que l'on puisse traiter tout cela. Donc nous fonctionnons de la même manière à travers des formations, à travers des partenariats. Et nous sommes encore dans la phase où les gens sont en train de comprendre cette nouvelle technologie, sont enthousiastes et ont envie de s'y tester. Nous essayons effectivement bien souvent, le niveau de compréhension aujourd'hui est encore relativement bas. Nous avons besoin de partager, de discuter autour du potentiel, des possibilités de cette technologie. Et ils commencent à voir ce qui est possible et les tenants et aboutissants
de ces nouveaux systèmes. Comment on peut également s'assurer de voir comment l'impact peut être fort à ce niveau-là. Mais nous sommes en cours, c'est un work in progress. Vous travaillez avec Blockchain France? Oui, vous savez, j'ai le même sentiment pour ce qui s'est passé chez moi. Évidemment, il y a toujours cette première phase d'appréhension, de comprendre ce que c'est qu'une blockchain, de savoir comment ça fonctionne. C'est une longue première étape, et surtout dans les grosses compagnies. Et ce n'est pas un manque d'information ou de conscience, mais... Et c'est ce que nous essayons de diffuser et de répandre à travers nos formations. Mais c'est la question de l'expérimentation qui implique la présence de beaucoup de développeurs. Et une fois que ces développeurs sont intervenus et que les cibles ont été définies, alors là, on arrive à une phase de mise en œuvre. Mais cette première phase est toujours extrêmement longue. Je souhaitais également que vous réagissiez sur ce que Philippe a expliqué concernant les relations, la manière dont elles fonctionnent. Vous travaillez pour Philips, mais vous essayez également de créer des types de standards qui tournent autour de la notion de blockchain. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est une question parmi d'autres, évidemment. Est-ce qu'on devrait essayer de créer un consortium autour de cette notion de blockchain? Il y en a eu trois jusque-là. On s'est demandé s'il y avait une véritable nécessité pour ces consortiums. Parce que, évidemment, certaines banques étaient frileuses et certaines souhaitent ne pas rater le coche non plus. Donc, avant d'initier ce genre de consortium, on a besoin de conversations avec beaucoup de gens qui souhaitent débattre de cette problématique. Eh bien, je pense que nous avons besoin d'explorer nous-mêmes auparavant, avant d'arriver avec des informations claires. Vous savez, c'est ce qui s'est passé durant cette période de ruée vers l'or, où tout s'est précipité et tout s'est passé en même temps. Et au sein des compagnies, il y a toujours évidemment des clients qui souhaitent être à l'avant-garde et qui essayent d'essayer et qui sont curieux de ces nouvelles technologies. Nous sommes véritablement dans une phase d'exploration. D'un côté, j'aimerais qu'on nous laisse le temps d'explorer nous d'abord en amont. Mais évidemment, puisqu'il s'agit d'économie collaborative, il s'agit de travailler ensemble de manière simultanée et d'obtenir aussi les ressources nécessaires que nous n'avons pas forcément au sein de nos entreprises pour pouvoir avancer dans cette exploration. Et parfois, il faut la contracter de manière externe, avec en partenariat avec d'autres entreprises. J'ai une petite idée. Peut-être vous l'avez déjà essayé. Est-ce que vous avez essayé d'inclure toute l'entreprise Philips et qui était déjà formée sur cette technologie du Bitcoin? Oui, nous avons essayé cela. Nous avons d'ailleurs des groupes de 10 développeurs qui ont été réunis et qui se réunissaient un mardi sur deux, pardon, sur ce projet de blockchain sur leur temps libre, ce qui était vraiment fabuleux et une grande chance. 10 personnes sur une compagnie de 110 000 personnes, eh bien, c'est vraiment très peu, ça reste très peu. Et je vous remercie de toutes vos interventions. J'espère que nous serons à même de diffuser ces outils et qu'ils seront à la disposition de chacun. J'ai lu un article récemment de MIT Media Lab qui était inquiet sur parce qu'il voyait bien qu'il y avait beaucoup de projets, beaucoup d'argent qui était investi sur cette notion de blockchain, mais par des gens qui n'avaient pas encore compris totalement les tenants et aboutissants de ces nouveaux systèmes de transactions monétaires. Donc je pense que ça, c'est un point important. Effectivement, c'est un paradoxe.
puisque d'un côté, on voit des gens qui font la promotion d'une approche décentralisée et que tout le monde sera bientôt libre de s'exprimer et de faire partie d'un processus décisionnel. Et une fois que cette expérimentation des blockchains est terminée, on se rend bien compte qu'il n'y a que très peu de gens totalement qualifiés pour être à même d'utiliser ces technologies, ce qui, à mon avis, demande à être un petit peu précautionneux dans les choix qui sont faits. Encore une fois, je ne dis pas que c'est quelque chose de négatif. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au sein du monde institutionnel et corporatif, nous avons besoin de garder un œil sur les développements et les communautés qui tournent autour de cette question du blockchain et qui font avancer parce qu'on peut se rendre compte qu'il y a un certain darwinisme qui règne au sein de ces groupes. Et bien souvent, on se retrouve à essayer de faire partie d'un processus que nous ne maîtrisons pas, qui reste relativement obscur. Et bien souvent, nous sommes très rapidement peu à même de pouvoir véritablement agir en connaissance de cause. Et pour la dernière question, je voulais reparler de cette histoire de consortium. On a parlé d'un grand consortium qui a été initié, qui a été financé par la Fondation Linux. Et j'aimerais bien avoir votre opinion sur cette initiative. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un blockchain dominant principal pour les applications en entreprise? Par exemple, vous savez, pour Microsoft, vous avez dit que tout le monde serait capable d'utiliser n'importe quel et avoir accès à n'importe quel type de blockchain. Est-ce que vous croyez plus à ce type de blockchain pour développer tout un tas d'initiatives de blockchain résultant sur des applications multiples et diverses? Mais il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Bon, personnellement, j'ai pas l'impression qu'un seul blockchain sera la solution pour toutes les demandes et les besoins. Évidemment, il y a beaucoup de technologies innovantes actuellement et c'est formidable. Mais pour moi, il y aura beaucoup de différentes blockchains. Ce sera décentralisé, ce sera ouvert, ce sera public la plupart du temps. Parce que par essence, c'est public et c'est fait pour. Mais je pense qu'il y en aura pour chaque grand domaine financier, par exemple. Je ne vois pas une seule et même solution technique de proposer pour l'ensemble des problématiques qui se présentent. Ça devra évoluer, ça devra être amélioré et il y aura beaucoup de versions de mise en place autour de cette technologie pour répondre aux exigences et aux besoins. Ce sera à nous de faire le choix et de tester toutes ces différentes solutions de blockchain. Mais moi, je dirais qu'effectivement, la réflexion évolue. On a parlé de santé, on a parlé de données, et si on parle de blockchain privé, mais vous savez, plus j'y pense, plus nous travaillons là-dessus, on sait que les concepteurs travailleront sur un type de blockchain qui tentera de répondre à un maximum de demandes et qui sera adapté aux besoins de la majorité. Bien sûr, il y a toujours cette question du blockchain privé ou public, mais on sait très bien que par essence, les questions évolueront au fil du temps et les besoins évolueront au fil du temps.
Je voudrais compléter cette question d'un autre point de vue. Si on considère la quantité d'argent qui est consacrée au développement de ces blockchains, on est dépassé 1,1 milliard de dollars déjà. À peu près la moitié de cette somme reste aux États-Unis et le reste est étonnamment distribué dans certains pays d'Europe comme le Pays-Bas ou la Suède. Et enfin, j'observe qu'en France, oui, je porte quelques symboles typiquement français parce que nous sommes en Europe. Et vous savez, la notion de responsabilité moderne a été créée à Venise il y a quelques décennies. Et c'était là pour bouleverser tous nos systèmes de comptabilité, pardon, de façon à ce que cette évolution puisse suivre les aléas, les besoins de l'Europe, de ces pays européens, et pour s'assurer que le prochain leader en termes de blockchain ne serait pas forcément américaine, mais pourrait également provenir de l'Europe, par exemple. Nous allons maintenant conclure avec une annonce, un mot de la fin. Quelqu'un souhaiterait prendre la parole pour un ultime commentaire? Je suis tout à fait d'accord avec Philippe. Ce serait formidable si le prochain chef de blockchain, le prochain leader, n'était pas américain. Et si on parle des différents types de blockchain, je pense qu'il est bien trop tôt encore pour savoir s'il y aura un blockchain dominant ou s'il y en aura des milliers. Je pense qu'il faut être un peu patient et voir comment la situation évolue. Ici, c'est au sein du WeShare, je pense qu'on peut également célébrer le Blockchain Festival. Oui, effectivement, nous sponsorisons ce festival et cette initiative est française pour le moment, mais rêve de s'agrandir, de grandir à l'échelle européenne pour montrer ce que nous pouvons faire aux autres. Pour prouver que nous avons du talent, du potentiel, même si, bien sûr, on garde toujours l'œil ouvert sur le côté financier, je pense que c'est un bon début. Bien, moi, je souhaiterais que l'on fasse de l'éducation sur le blockchain, que l'on apprenne aux gens, que l'on diffuse l'information, qu'il y ait des campagnes d'organiser avec des médias. Et il y a des vidéos déjà qui ont été faites à ce sujet-là et qui seraient fort pertinents de regarder. Pour conclure, eh bien moi, je sais évidemment qu'on bénéficie pour l'instant des résultats qu'ils ont obtenus grâce à tous ces investissements autour du blockchain, mais je pense que c'est à nous aussi de construire une solution pour pour aller plus loin et pour révolutionner les principes de gouvernance et de démocratie qui fonctionnent tel qu'ils fonctionnent aujourd'hui à l'heure actuelle. Voilà, nous pourrons continuer la conversation tout à l'heure. Nous allons répondre à des questions et nous allons maintenant faire un break.